imbattable. Imbattable, c'est un projet un peu particulier parce que j'avais fait juste les deux premières pages de ce projet que j'ai proposé au journal Spirou en 2013. Et parce que voilà, je me suis dit peut-être que j'ai l'impression que cette histoire pourrait intéresser le journal, mais jamais j'avais prévu d'en faire une série. Je pensais que j'arriverais à faire 10 pages avec ce concept un peu particulier. Je pensais que j'arriverais à faire 10 pages et qu'après je tournerais en rond. Donc j'ai fait ces deux premières pages de manière un peu instinctive. Et après je me suis rendu compte que voilà, ce qui m'intéressait c'était de faire quelque chose qui mette en avant le côté spécifique de la bande dessinée. Faire un héros qui a un pouvoir qui ne peut exister que sous forme de bande dessinée. J'étais tout le temps dessinateur, c'est très rare que j'ai été que scénariste. Le costume d'imbattable. Je vous disais, les deux premières planches ont vraiment été faites de manière instinctive. Je les ai faites sans trop réfléchir. Et naturellement, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire des choses très sérieuses. Donc naturellement, j'ai fait un personnage qui n'était pas du tout musclé et qui avait un habit plutôt ridicule. Et les habits de mes super-héros dans cette bande dessinée ont toujours été faits dans l'optique que ce soit des déguisements qu'on puisse faire soi-même chez soi. Tout est un peu décalé dans Imbattable. Il vit dans un petit lotissement et pas dans une ville comme Gotham City, par exemple. Il n'est pas copain avec des gens du FBI, mais il est copain avec un capitaine de gendarmerie, etc. Donc, son physique était au diapason de ça. Alors, les jeux sur le langage bande dessinée, ça existe quasiment depuis que la bande dessinée existe. Vincent Mackay, Fred, Gottlieb, les gens de Lou Bapo et Marc-Antoine Mathieu, évidemment. Moi, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était de mélanger ça avec une bande dessinée de tradition franco-belge d'aventure tout public. C'est vraiment le mélange de ces deux aspects qui m'intéressait, parce que j'estime que les jeux sur le langage BD existent depuis tellement longtemps que je ne considère pas inventer grand-chose avec ce personnage. Alors, il y aura un tome 2 d'Imbattable qui va sortir en avril, fin avril 2018, et ce sera, comme pour le tome 1, un recueil de planches et d'aventures plus ou moins longues déjà parues dans le journal Spirou.